Abou. Hey, Sandra, y'a quoi? Grande sœur Abou. C'est quoi? La fille, c'est pas de quoi? Petite sœur Abou. Qu'est-ce que c'est pas? Tu as réussi où nous avons échoué. Hein? Que ça, c'est quoi? Tu nous as vengé. Merci pour la justice et vengeance. Ah! Mon frère. Merci parce que tu as... Non, quand j'ai regardé le gars, on sent qu'il a mal. On sent que tu as fléché. On sent que tu as percé. On sent que tu as transpercé. Hey, laisse les gens. Le Seigneur. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, là. Mais elle raconte même quoi, là? Tata Abou. Hey, maman Abou. Oh, je suis au Cameroun. Tu vois quoi? Hey! Dieu les familles. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Tu vois, Mania, il y a la chili, il y a tout ici, il y a la chili. Et maman. Sale rat. Vois-moi ces anciennes fesses. Bélame, bimeli. Va, mercon. Tu prends, Nina. Non, le père ne part pas. Viens, on va écouter la version de Abou. Aha. Abou, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas possible. Même si ce n'est pas possible, papa, explique, on va comprendre. Pas ému, je suis en colère, tu vois. Ouais, je vois. Mais pourquoi tu es en colère? Je suis en colère parce que. Je me suis fait berner, mais... Ce n'est pas possible. Maman, pardon, attends, il nous explique. Ah. C'est très, très simple. Voilà, avant de continuer, pour tous ceux qui veulent aller au Canada, pour le travail, pour les études, contactez les numéros qui s'affichent en bas de cet écran. Ok. Mon frère, on t'écoute. Je l'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère et... Bro, ne réfléchis plus trop comme ça. Et à quoi? J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps. Tu l'avais rencontrée où? Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois. Je vois. Gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion. Quoi? Ouais, il a dit la religion, non? Seigneur. Papa, et la religion, là, t'as fait donc quoi? La spiritualité, le voile aussi, hein. Bon, avant de continuer, est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde? On était vraiment sur la même longueur d'onde, comme tu dis. C'est pas possible. C'est une erreur fatale. Les gars, si un jour tu as une relation avec une fille, tu sens qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Pardon, cherche-toi. C'est vrai. Ah bon? Elle te manque? Parce que je vois comment tu es ému là. Je suis pas ému parce que elle me manque ou autre. Rien à voir. Ok, continue l'histoire. Et le truc qui s'est passé, c'est que moi je suis tombé dedans. J'étais comme un fou. Un fou est comment? J'étais comme un fou. Je me suis dit, ah enfin... une femme qui me correspond, en plus elle est discrète. Ah bon? Ah bon, hein? Donc, on a commencé à faire connaissance, on a rapidement parlé de mariage. Moi, tout de suite, tu sais, hein, voilà, sur les réseaux, j'en ai parlé ouvertement, même sur Aja. Mon frère, c'est comme si c'est mon histoire que tu as encore raconté là. Et j'ai vécu la même histoire. Continue. C'était beau, mais moi j'y croyais, tu vois. Mon frère, on appelle ça coup de foudre. Ce sont les illusions. Oh! Oui, c'est vrai. Mon frère, qu'est-ce qui t'a vraiment fait craquer? Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. D'une beauté, tu vois. Je vois, la mienne était toujours belle comme ça. Les panthéros. Tu te dis, cette personne-là, elle peut pas me mettre un coup de couteau dans le dos. C'est pas possible. Ah, la femme. Continue. Donc tout allait bien, on s'est vu quelques fois. Oui, il faut savoir une chose, c'est qu'on a attendu le mariage. Donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. Hein? Quoi? Non, papa. Ma part, non. J'avais bien cogné mon type. Jamais. Continue. Continue, bro. On se touchait pas. C'est-à-dire, c'était la ourtie. Des fois, on se retrouvait seul, chose à pas faire. Hein. Bro, pèse la psa. Il y a eu quoi? On se touchait pas, même pas un bisou. Rien, Sam. Rien. Toi aussi. Mais ta tête, c'est les pop-corn. Hey, mec, t'as pas encore plus grave, hein? Vraiment, c'est grave, ça. Je fais une demande en mariage de fou malade. Hein, tout le monde l'a vu. On a vu, papa. Dis-nous ce qui n'a pas marché, alors. C'était en février que j'ai fait ma demande. Mémorise bien cette date, en février. Donc, en février, je lui fais ma demande. D'accord, c'est bien mémorisé. Incroyable. J'étais tellement investi. Et donc, je me pose avec cette personne-là. Oui, continue. En mars, on fait la khutbah, donc le mariage, le halal, religieux. Dieu merci, j'ai pas fait la mairie. On allait le faire l'année prochaine. Waouh, heureusement. Ça s'est pas fait, d'accord. J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023. Ça s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien. On emménage ensemble, tout se passe super bien. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Comment ça? Moi je comprends rien. En fait, tu vois la manipulation des gens, le degré de manipulation. En fait,
Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. Un homme qui n'a pas vécu ça ne peut rien comprendre. Sogetol. Les gars, si vous voulez acheter les tôles, faites un saut rapidement chez Sogetol. C'est la meilleure société de fabrication de tôles actuellement au Cameroun. Avec Sogetol, vous avez une grande gamme variée de tôles. Continue. Continue. Le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait « Femme promise au paradis », fallait me voir. Ah bon, hein? J'étais bu. J'étais « Ah, mais ça, c'est incroyable comme femme. » Je rentrais à la maison, Sam, elle lisait « Femme promise au paradis ». Eh, Seigneur. Seigneur. Quel paradis? Quel paradis? Je m'interroge, mon frère. Je m'interroge. Continue. La manière dont elle a tourné la chose, j'ai glissé vers le côté obscur. Je me suis assombri derrière elle. Bon, chute maintenant, il y a eu quoi? Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Explique alors! Je vais t'expliquer tout ça. J'imagine, pardon, père, c'est l'abcès. Donc ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi. Mm-hmm. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a snap. Elle a snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. Mm-hmm. Rien du tout. Comment ça? Je me réveille, je me lève, mm-hmm. Et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone. C'est comme ça donc que le massacre commence. Je vous aime voir avec les yeux. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Tu as fait comment? Donc je me réveille, je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait. Je suis pas quelqu'un qui aime le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère, ou je... enfin bref. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Hey, les filles du village. Voilà les jeunes d'aujourd'hui, voilà comment vous êtes. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Hein, parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là. Tu étais comme un chien devant la télé. J'étais comme un mongol. Hein? J'étais comme un mongol. Quitte là-bas. Waouh, mon Dieu, la femme. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. Mm-hmm. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. C'est comme ça donc que le massacre commence. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Hey, yeah, yeah, yeah. Quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Europe. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves. Oh. Yeah, les familles. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec. Vois avec lui, t'as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, t'as 2 heures. Mm-hmm. Je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme. Sans voile. Sans voile. Et Seigneur, ça fait mal. Ça me fait mal de découvrir un truc pareil. Ça fait mal. Continue. En string, sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Maman. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Mon frère, est-ce que tu crois au karma? Maintenant, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, il y a le karma qui va bien s'occuper d'elle. Et puis, on verra par la suite. Mais moi, déjà, je vais beaucoup mieux. Voilà, merci. Laisse tout ça à Dieu. Continue. Avec ma bague au doigt, il m'envoie les vacances en novembre qui s'est tapé avec elle. Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois. Un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2h du matin. Quoi? Non, non, c'est pas possible. Quand femme est bête, hein! Il m'envoie ça. T'imagines? J'imagine. Toutes les preuves. Ah! Non, moi, ça me dépasse. Massa, Sandra, donc tu es en train de te moquer d'un homme qui traverse des moments pareils, des moments difficiles comme ça? Donne-moi les cours, s'il te plaît, tata. Maman, donne-moi les cours. Tu es où? Je vais être ton élève, grand prof. Vous parlez quoi? Colonel, général, non, présidente. Jésus! Toutes les femmes du monde, nous sommes des... On te soutient, on va te soulever. Parce que ce que tu as fait, c'est impensable. C'est... Non, non... Ils ont fallu même me tuer. Et qui est? Les gars, si un homme n'a pas vécu l'histoire-ci, il ne peut rien comprendre.
beaucoup de courage hein, aux hommes qui traversent les mêmes moments pareils. C'est-à-dire, c'est très difficile. Fais confiance à une femme. Donner toute ta confiance à une femme qui se moque de toi, qui n'est même pas au courant de toi. Un conseil, les gars, si tu as la chance de tomber sur une femme qui te respecte, qui ne te trompe pas, qui est vraie, papa, donne-toi à cette femme. Parce que les panthères qui sont deux aujourd'hui, non. Maman Nagai, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Que vous êtes abonnés bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.